motivation maintenant. Oui, instant motivation. Et aujourd'hui, nous avons un motivateur qui nous vient de l'Afrique du Sud. Voilà. Mmh. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pasteur Gaylor Lukama. Bienvenue, Pasteur Gaylor Lukama. Ici, on l'appelle motivateur Gaylor Lukama. Oui. Bienvenue sur le plateau de Bon Matin. Merci, merci. Bon matin, coach. On va vous appeler coach comme on a toujours appelé tous les coachs motivateurs. Merci, merci Madame Alice, merci Jean-Pierre. Jean-Paul. Jean-Paul, bien sûr. Alors, instant motivation, ça commence maintenant et il nous parle de commencer. Vous savez que plusieurs personnes... Vous pouvez maintenant commencer. Merci. La réalité de ce matin est que plusieurs personnes rêvent toujours d'accomplir plusieurs choses et réaliser grandes choses et aller au-delà de ce qu'ils ont. Mais une des vérités est toujours que le plus grand difficile a toujours été de commencer. Plusieurs personnes ont un rêve, plusieurs personnes ont des projets, mais comment commencer, par où commencer, avec quoi commencer? Plusieurs personnes attendent que les conditions soient bonnes afin qu'ils décident de commencer. Mais en réalité, tu peux commencer là où tu es avec ce que tu as. Parce qu'au fur et à mesure que tu attends que les conditions soient bonnes, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Et plus il y a de choses qui manquent, plus tu reportes. Et tu vas voir ces personnes qui n'avaient aucune ambition, aucun projet, aucune planification de commencer quelque chose, ils te dépassent juste parce que toi, tu attendais que les conditions soient bonnes. Je crois que par la grâce de Dieu qui nous a donné le souffle de vie, chaque jour devant nous est une belle occasion, une merveilleuse opportunité de commencer. Ceux-là qui atteignent les hauteurs, ceux-là qui réalisent de grandes choses, n'ont pas peur de commencer. Alors ma question ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Est-ce l'argent? Est-ce les temps? Est-ce une décision? Et moi je crois que ça doit commencer par une décision. Les moyens te suivront là où il y a une décision. La force viendra là où il y a une décision. La détermination viendra là où il y a une décision. Si tu décides aujourd'hui, tout suivra ensemble avec toi. Alors pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas demain que tu commences, c'est aujourd'hui que tu dois commencer. Le bonheur de commencer, c'est que tu n'auras aucun regret de ce que tu devrais être. Parce que ce que tu dois être est devant toi. Alors commence aujourd'hui, pas demain. Décide-toi, lève-toi de là où tu es, commence. Écris quelque part ce que tu dois faire cette semaine, écris quelque part ce que tu veux faire cet après-midi, commence. On dit toujours qu'un rêve qui n'a pas une vision ou qui n'a pas un plan n'est qu'un rêve sans plan d'action. Et ainsi, il restera toujours dans nos têtes. Et une autre personne a dit, après avoir rêvé, la seule chose qui te reste, c'est réveiller. Aujourd'hui, tu es réveillé. Commence. Merci. Oh, wow. Et moi, je commence par vous dire que malgré que l'anglais a pris de l'ampleur, vous parlez quand même bien français jusqu'aujourd'hui. Ah oui, j'ai essayé. Oui. Et on c'est une très bonne chose. Mmh. Commencez. Ouais. Ah oui. On va, après avoir... après le rêve, il faut se réveiller. Bah, oui, après le rêve, ce qui reste à faire, c'est de se réveiller. Ouais. On ne reste pas couché. Bah oui, on se réveille. Et moi, je retiens ça. Merci infiniment. Merci beaucoup, Merci infiniment et très belle suite de la journée. All right. On vous laisse repartir? Ah, merci beaucoup. D'accord. À très bientôt, coach. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Merci. Ah, ouais. Arrêtez de rêver maintenant. Hein, et réveillez-vous.